Nous sommes à Vrigne-Meuse, dans les Ardennes. Le 11 novembre 2018, cela fera un siècle que la Grande Guerre a pris fin. Et elle a pris fin ici. Parce qu'ici, au matin du 11 novembre 1918, on se battait encore, dans le cadre de la dernière offensive de l'armée française. Alors même que les généraux et les plénipotentiaires allemands sont en train de négocier la fin des combats à Rethondes. C'est ici qu'est tombé le soldat Augustin Trébuchon, mettant un terme à la longue cohorte des morts pour la France depuis le caporal Peugeot, tué lui le 2 août 1914. C'est ici qu'a réellement retenti le cessez-le-feu pour tous les soldats de la Grande Guerre. Entre 1914 et 1918, tout le département des Ardennes, coupé de la France libre, subit une occupation inique, liberticide et d'une rare violence. À la mi-juillet 1918, les Alliés opèrent une remontée victorieuse, sûre mais lente. Les Allemands reculent. Le 7 novembre, les plénipotentiaires allemands traversent les lignes françaises. Durant 3 jours, dans la clairière de Rethondes, ils tentent de négocier point par point les conditions de l'armistice. Le maréchal Foch est inflexible. Le commandement suprême des forces alliées projette 2 offensives. L'une, le 10 novembre, sur la Meuse, à proximité de Sedan. L'autre, en Lorraine, le 17. Sedan est hautement symbolique. Depuis la défaite du 1er septembre 1870, le regard des Français se porte sur la ligne bleue des Vosges, animé par un désir de revanche. Jusqu'au bout, les combats vont faire rage dans la région de Vrigne-Meuse, théâtre de cette ultime offensive ordonnée par l'état-major. Le 9 novembre 1918, à 17 h, les troupes françaises reçoivent l'ordre de franchir la Meuse à tout prix. Les poilus sont exténués par des marches forcées et surtout 4 années de combat. Les conditions météorologiques sont mauvaises. La Meuse est large et en crue. Les troupes ignorent les positions exactes de l'ennemi. Dans la nuit, l'offensive est lancée. Le 415e régiment d'infanterie, commandé par le chef de bataillon Charles de Mendit, réussit la traversée. Dans la matinée, il gravit les pentes du signal de l'Épine. Le 10 novembre, vers 10 h, le brouillard s'estompe. Le combat est inégal. Les troupes françaises subissent le feu nourri de l'ennemi, mais ordre est donné de tenir coûte que coûte. Elles sont contraintes au repli contre le talus de la voie ferrée. C'est seulement en fin de journée que l'artillerie française entre en action pour les soutenir. Le 11 novembre, à 7 h 15, la nouvelle de la signature de l'armistice, 2 heures plus tôt, tombe. Elle entrera en vigueur à 11 h. Il faut vite trouver, pour sonner le cessez-le-feu, le clairon du 415e, le soldat Delaluc. À 11 h précises, il sort de son trou d'obus et sonne des notes effacées de sa mémoire par 4 années de guerre. Avant, le soldat de première classe Augustin Trébuchon, berger du Gévaudan, qui se bat depuis août 14, reçoit une balle en pleine tête. Il devient le dernier poilu mort au combat. Pour ceux qui restent, Allemands et Français, l'armistice, c'est avoir la vie sauve. Augustin Trébuchon était agent de liaison et, comme son nom l'indique, il faisait la liaison entre le poste de commandement et les avant-gardes des troupes françaises qui étaient stationnées le long de la voie ferrée et faisaient le coup de feu contre les Allemands. Le 11 novembre 1918, au matin, Augustin Trébuchon portait un message de son commandant qui disait « Le ravitaillement aura lieu à 11 h 30 ». Et sur le chemin qui l'amenait aux avant-postes des troupes françaises, qui étaient de l'autre côté de la voie ferrée, Augustin Trébuchon a été fauché par une balle de mitrailleuse en plein front. Son nom est toujours évoqué comme étant le dernier poilu français tombé le 11 novembre 1918 à 10h50. C'est le personnage central qui permet à l'histoire de Vrigne-Meuse d'être reconnue au niveau national. Donc la transmission de la mémoire, elle est importante pour qu'Augustin Trébuchon continue à vivre parmi ses compagnons qui nous entourent ici en dessous des croix. Augustin Trébuchon est un soldat de la guerre 14-18. Augustin Trébuchon, il est resté 4 ans dans les tranchées. Il était courageux parce qu'il a fait 4 ans de guerre et il n'a eu qu'une seule permission. Augustin Trébuchon est mort le 11 novembre 1918. Ce jour-là, il n'aurait pas dû avoir de mort. Le message de la signature de l'armistice est arrivé trop tard. J'ai retenu que c'était le dernier mort de la guerre 14-18. C'était le dernier poilu tué à la guerre. Le 11 novembre, en fait, on se réunit tous à l'école, ceux qui viennent. Ensuite, on monte au monument mort. Arrivé au monument aux morts, on dépose des fleurs et on chante la Marseillaise pour rendre hommage aux morts de la Première Guerre mondiale. C'est important de célébrer le 11 novembre pour que tout le monde s'en souvienne et pour que ça n'arrive plus. Et puis surtout qu'ils se sont battus alors que l'armistice elle était déjà signée. Il y a des personnes qui se souviennent peut-être de cette histoire, mais il y en a encore plein d'autres qui ne s'en souviennent plus. Il faut leur faire rappeler. On travaille en classe avec la maîtresse pour se rappeler d'Augustin Trébuchon et de tous les soldats français et allemands qui ont été tués. La guerre, je ne souhaiterais pas que ça recommence. J'aimerais que dans le monde, tout le monde soit uni, tous les pays ensemble. Il faut transmettre l'histoire d'Augustin Trébuchon de génération en génération pour qu'il n'y ait plus de guerre et pour que tout le monde puisse vivre en paix. Il faudrait qu'on n'ait plus jamais de guerre, qu'on soit tous unis. Par exemple, que dans tous les pays, du monde, toute la Terre, soient amis. On ne parlerait peut-être pas les mêmes langues, mais on apprendrait à parler les langues étrangères. C'est important de se souvenir pour que ça n'arrive plus et qu'on vive dans la paix. Le 11 novembre 2018, nous vous invitons ici, à Vrigne-Meuse, pour honorer la mémoire de tous les soldats français et allemands tombés au cours de la Grande Guerre, pour célébrer la fin des combats et pour fêter la paix enfin retrouvée aujourd'hui en Europe.